J'aurais pas fait la moitié de ce que j'ai fait s'il n'avait pas joué au volleyball. Le volleyball m'a structuré, comme tous les sportifs d'abord, dans la gestion des angoisses, de la gestion des échecs, puis aussi celle de la victoire et de l'euphorie de la victoire. Mais surtout, il m'a appris à vivre dans un collectif. Il m'a appris qu'au volleyball, il y a une passe, une touche de balle. Il m'a appris que je ne pouvais rien faire sans les autres, mais aussi que les autres ne pouvaient rien faire sans moi. Le volleyball, c'est à la fois une leçon d'orgueil, une leçon de modestie. À l'instant où on touche la balle, on est le meilleur, mais ça dure un dixième de seconde. Ensuite, on se fond dans son équipe. Et c'est ce qui fait, je crois, la qualité du volleyball et du volleyeur lorsqu'il sort de sa période de sportif et qu'il entre dans sa période professionnelle, dans une entreprise.